Coucou, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo ASMR en soft spoken. Pourquoi en soft? Parce que tout simplement, je ne vais pas être assez proche du micro pendant toute la vidéo. Donc du coup, voilà pourquoi on fait du soft spoken. On se retrouve pour le hall chain des abonnés. J'ai trop hâte de vous le faire. J'ai mis toute la commande ici, toute la commande chain. Alors, le principe, en fait, il y a quelques semaines, j'ai demandé à mes abonnés de faire ma commande chez Shein, donc la boutique Shein, et du coup de m'envoyer des liens d'articles pour que je puisse commander. J'en ai eu au total pour 190 euros à peu près. C'est pour ça que cette vidéo se fera en deux parties, parce que sinon, elle sera beaucoup trop longue. Je ne suis pas du tout rémunérée par Shein, je n'ai pas du tout de partenariat avec eux, et d'ailleurs c'est bien dommage avec tout ce que je leur ai acheté. J'ai besoin de toi du coup pour participer à cette vidéo. Il y a des habits un par un et il y a aussi des looks. Il y a des abonnés qui m'ont acheté plusieurs habits qui forment un look, donc lunettes, accessoires et tout. Et du coup on va falloir qu'on note les habits et je vais moi-même noter les habits sur 10. Avant de commencer la vidéo, je tiens juste à préciser que je vous ai demandé de choisir mes habits parce que j'avais envie de sortir de ma zone de confort pour cet été. Et surtout, j'avais envie de tester des habits que j'aurais pas achetés, que j'aurais clairement pas achetés de moi-même. J'aurais jamais tenté, testé, alors que je les trouve très jolis, tu vois. Je sais pas si tu comprends. Et il y a pas mal d'habits, c'est comme ça, j'étais en mode quand j'ai ouvert les liens, vos liens. J'étais en mode, ah oh mais ouais, carrément, à voir ce que ça donne sur moi, parce que moi je trouve ça beau. Donc j'ai trop hâte de tester, vraiment. Let's go! Premier article donc qui vient de l'abonné Elou, merci à toi d'avoir participé. M'a fait acheter donc une robe. Alors je te mettrai ici ou ici à chaque fois les captures d'écran où tu verras la taille que j'ai pris, le prix et voilà, comme ça tu auras directement toutes les infos là. Donc c'est quand je l'ai commandé. Alors du coup j'ai trop hâte de tester cette robe. Je la trouve très jolie en photo. Je sais peut-être que c'est possiblement une robe que j'aurais pu acheter, je ne sais pas. Alors, en tout cas ouais, 15 euros quand même. Et let's go, on va tester ça. Alors je me suis habillée très simplement avec une brassière et un short pour pouvoir enfiler rapidement les habits sans tout enlever à chaque fois. Je sais pas du tout si la couleur rouge me va bien, donc tu vas me dire ça. À dire, je la trouve très jolie, elle est très légère, je crois pas qu'elle est transparente, elle est très bien, franchement. Alors pour cette première tenue, franchement, je mets un 7,5 sur 10, je mets pas un 10 sur 10 non plus, parce que je pense qu'on aura encore des plus jolies choses qui vont arriver. Dis-moi en commentaire, combien tu notes cette Pour le deuxième look, donc là il s'agit de deux vêtements, le bas et le haut, qu'elle a choisi je pense pour que ça aille ensemble, donc ça forme un look. Et j'ai franchement été choquée par le bas. Je pensais pas l'aimer, mais en fait je le trouve vachement beau. C'est un sort de pantalon leggings comme ça. Et il est tout doux. Et je sais pas, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne sur moi. C'est si là avec de la dent. J'ai l'impression qu'il est très grand par contre. Ah non, c'est ça. J'adore la texture de celui-là. Écoute.
pour Coachella. Combien tu donnes pour ce look? Moi, je donnerais 6. 6 sur 10, moi, je donnerais. Le haut, je le porterai. Le bas, je le porterai. Mais peut-être pas les deux ensemble. Peut-être avec juste un débardeur noir, tu sais, avec le bas. En tout cas, j'adore la matière. Je valide aussi, de toute façon. On passe à la troisième tenue. Merci beaucoup, en tout cas, à cet abonné. C'est vrai que bien joué, parce que j'adore les leggings en pâte d'éléphant, comme ça. J'adore. En plus, c'est super confort et tout. Je suis trop, trop fan. Alors, l'article suivant, il est grave canon. Grave sexy. Par contre, je sais pas si ça va m'aller. Pas du tout. Parce que la meuf sur la photo, elle a grave de la poitrine. Moi, j'en ai pas. Voilà, déjà, donc. J'ai vraiment pris la taille minimale, du coup. Ça. Oh. En vrai, si ça me va, je serais trop contente de le porter en soirée, j'avoue. Mais j'ai peur. Donc il y a quand même des armatures. Go tester. Mon dieu. Oh mon dieu, c'est trop beau, mais... Ok, alors, en vrai, il va super bien. J'ai rien à dire, en fait, il est super. Les filles, si vous voulez un truc hyper sexy pour les soirées, foncez, il est trop trop bien. Je vais pas montrer. Parce que c'est vraiment... C'est comme sur la photo, un peu moins de poitrine, mais c'est pareil. L'armature, elle est nickel. Elle est vraiment bien robuste et tout. Oh, j'aime trop. J'aime trop. Je montrerai à Tom tout à l'heure. Oh, faudra que je fasse une vidéo. Mon copain note mes tenues. Dites-moi si ça vous tient en commentaire. Tenue suivante. Du coup, petit message à l'abonné de Lana qui m'a demandé de tester cette tenue parce qu'elle savait pas ce que ça pouvait donner. Ben franchement, y'a rien à dire. Franchement, fonce meuf. Ça, je trouve ça magnifique. Je pensais pas que ça allait m'aller, mais je trouve ça trop sexy. Trop, j'adore. J'adore aussi, c'est trop beau. Ça va mettre... Ah, mais c'était comment ça? Je pense. Ensuite, il y a Chloé qui m'a fait commander ce petit haut trop mignon avec des petits dinosaures. Ce genre de choses, j'aurais jamais osé l'acheter, je pense pas. Mais en fait, pour habiller une tenue et rajouter une petite couleur, ben je trouve ça cute en fait. J'aime bien. Merci beaucoup. Je dis merci beaucoup comme si c'était vous qui me l'avez acheté, mais merci pour l'idée et pour la proposition en tout cas. Merci. Oh non, c'est pas un look. Celui-là, on le note pas parce que c'est pas un look anti, d'accord. Par contre, il y a une tenue. J'ai trop trop hâte de la tester. C'est un style que j'ai pas du tout l'habitude de porter. Les trucs un peu baggy avec des lunettes de soleil rectangulaires plates là. Vous connaissez ce style? J'ai trop hâte de tester ça. Cette tenue là dont je vous parle avec les lunettes de soleil, on va la garder pour la deuxième partie. Ça vous donnera envie de revenir. Et là, on va tester un pantalon, un jean que je trouve trop mignon. J'aurais pas pensé l'acheter en fait. Donc merci beaucoup à cet abonné là. C'est un jean avec des papillons. Regarde. J'adore. Soyez sincère sur la note, ok? Parce que je n'arrive pas à savoir si ça me va bien ou pas. Il est hyper confortable, j'adore. Mais ça me va bien ou pas? Vous me voyez mettre ça dans la rue? Oh, je le trouve beau quand même. Oh, je valide, je
vrai, je suis contente parce que j'ai pas commandé des articles qui se différencient trop de moi. Ça reste quand même ma personnalité, genre les papillons, tout ce qui est mignon. C'est donc trop mon truc. Donc ouais, je valide, genre coup de cœur, je crois même. Et j'aime trop mes grosses chaussures, elles viennent de chez H&M, elles sont trop bien. Bon, on va s'arrêter.